Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo créative. Alors, aujourd'hui, je vous invite à créer avec moi une carte d'anniversaire. Alors, que je vous explique quand même, lors de mon dernier colis de chez Horizon Créatif, Ninon donc m'avait mis de la mousse 3D en plus hein, pour dans le cadre de notre partenariat afin que je puisse l'essayer, la tester. Donc aujourd'hui, puisque je vais faire une carte shaker, j'ai décidé de tester cette mousse. Alors c'est une mousse 3D, alors attention parce que je vais aussi utiliser de la mousse nouveau, je sais pas comment on dit. Je vais essayer de ne pas me mélanger les pédales. Alors la mousse 3D, c'est donc une mousse pour permettre de faire un shaker, une carte shaker. Si vous souhaitez en trouver, donc la boutique Horizon Créatif en vend avec, contrairement à celle que j'ai testée là, avec un effet autocollant, c'est-à-dire que c'est encore plus pratique que celle que j'ai testée, qui déjà est géniale. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça facilite le travail. Voilà, donc j'ai préparé toute ma carte, ma future carte, et je viens faire avec de la mousse nouveau un fond de carte dans l'espace où je vais avoir mon shaker avec une plaque de texture, comme vous venez de le voir, plaque de texture qui m'a d'ailleurs été gentiment envoyée aussi par la boutique Horizon Créatif. Voilà, une fois que j'ai fait donc ce fond de carte, je vais venir coller ma mousse 3D. Donc qui est découpé là où je le souhaite afin de faire donc le fameux shaker, et je viens donc monter la partie donc basse de ma carte. Ensuite, une fois que j'ai mis la mousse, je vais mettre tout simplement à l'intérieur de mon rectangle tout ce que je veux y mettre qui va donc être à l'intérieur de la carte dans le shaker. Je colle donc un hippopotame que j'ai préalablement découpé, et je vais mettre également des paillettes grises que j'ai choisies après avoir bien réfléchi par rapport aux couleurs que j'ai déjà sur cette carte. Voilà, ensuite je viens coller le dessus de ma carte, et j'ai ainsi une chouette carte shaker, mais qui n'est bien sûr pas finie. Ensuite, j'ai prévu donc que l'hippopotame, qui est pourtant à l'intérieur de ma shaker, puisse avoir l'impression, qu'on ait l'impression qu'il tienne les ballons noirs que je vais y coller, donc comme ceci, voilà. Mais avant de les coller, eh bien, je vais venir faire le fond de carte. Je ne vais pas le laisser blanc. Parce que ce serait un petit peu dommage. Voilà. Donc je reprends ma mousse nouveau, et avec un pinceau je fais le tour de ma carte de façon à ce que ce soit bien fait. Et ensuite j'ai décidé de tester un petit peu de mousse avec de l'eau, avec un pinceau je l'étale bien, c'est assez liquide, et je fais des petites gouttes sur ma carte. Finalement, j'ai essuyé ces petites gouttes pour que ça aille plus vite, et puis parce que je me suis dit que ça ferait peut-être un effet sympathique, mais l'effet ne me convenant pas, j'ai remis plein de gouttes sur tout le blanc de ma carte, et j'ai essuyé, mais pas juste en tapotant, là j'ai vraiment essuyé pour que la couleur de cette mousse nouveau s'étale un petit peu, et donc ça a donné un effet qui m'a convenu. Ensuite, je colle mes petits ballons, et avec un Posca blanc, je vais venir accentuer l'effet de reflet sur les ballons. Mais d'abord, je tamponne Happy Birthday au fond de la carte à droite, puisque c'est une carte d'anniversaire pour ma fille. Alors, quand vous verrez cette vidéo, l'anniversaire de ma fille sera passé. J'espère que cette carte lui aura plu, je le pense, mais bon, voilà. Et donc, pour finir, je vais monter cette carte sur le double que je prépare à l'instant. Voilà, je vous laisse regarder, je vous retrouve avec la carte totalement finie.
Alors, je vais vous présenter la carte finalisée avec sa petite épaisseur que je vous montre. Voilà. Je l'ai bien sûr améliorée à l'intérieur un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime travailler les cartes jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour les petits pouces, les commentaires et les partages. Et je vous remercie de me suivre et je vous dis à demain pour de nouvelles créations.